agree, baby, you and me got a groovy kind of love. Anytime you want to, you can turn me on to anything you want to, anytime at all. When I kiss your lips, ooh, I start to shiver. Can't control the quivering inside. Wouldn't you agree, baby, you and me got a groovy kind of love. Whoa. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you, then I'm not so blue. When I'm in your arms, nothing seems to matter, my whole world could shatter, I don't care. Wouldn't you agree, baby, you and me got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. Martin Levac, Nancy, Francis, pour vous, évidemment. Martin, c'est un plaisir et un honneur de te recevoir dans le cadre de cette émission parce que ces deux-là, ils aiment bien gros Phil Collins. Oh, mais ça donne hein? C'est tellement pratique parce que toi aussi, un grand fan de Phil Collins, mais j'aimerais juste dire quelque chose que peut-être les gens ne savent pas. Phil Collins adore Martin Levac, mesdames et messieurs. Je vous le jure, il a validé le spectacle de Martin. Il t'a vu. D'ailleurs, vous vous connaissez. Tu as eu la chance de le rencontrer. Comme tu dis, une chance immense parce que, hein, dans la vie, la vie nous fait des belles surprises. Oui. D'ailleurs, les témoignages de Francis sont extraordinaires. Bravo. Quel beau cheminement. Ben, dans mon cas aussi, j'ai eu des super chances dans ma vie, des choses qui sont arrivées sur ma route, comme le grand privilège, finalement, de rencontrer Phil Collins 4 fois. C'est incroyable. Donc, moi-même, il est venu jouer sur mon drum, on faisait un spectacle. Attends, tu passes trop vite. Il faut, okay, parce que cette histoire est trop belle. Non, regarde, tu as commencé avec la batterie à l'âge de 8 ans dans ta chambre. Voilà, exact. Qui aurait pu croire à ce moment-là que tu allais te rendre quand même, tu sais, à interpréter les chansons de Phil Collins? Mais avant qu'on parle de Phil, quand on fait la musique de Phil Collins partout, pendant plusieurs années, etc., est-ce qu'on était obligé d'abandonner une certaine partie de soi pour devenir... Oui? Ben oui, c'est un gros prix. C'est un personnage de scène. Ça devient un trademark, un peu comme Martin Fontaine fait la même chose. Exactement, avec Elvis. Hein? Donc, ça demande, je dirais, une certaine humilité de faire, bon, ben voilà, les gens, qu'est-ce que je peux offrir aux gens? Dans le fond, on revient à ça. Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Oui. Quand je leur fais du Phil Collins... No problem. Voilà. On peut pas s'obstiner contre le destin puis vouloir être aimé pour autre chose que ce qu'on est. Mais c'est important. Ce qu'on amène de mieux aux gens. Et je te demande cette question parce que quand on rencontre des fois nos idoles ou les gens qu'on admire, des fois, on peut être très déçu. Hein? C'est pas ce qu'on pensait. Mais dans mon cas, ça n'a pas été le cas du tout. Ben non, Phil Collins, tu l'as rencontré la première fois à Montréal. Oui. Si je ne m'abuse, il était à C'est quoi? Il faisait de la promotion pour un album et on t'appelle Viens-t'en vite, Phil Collins est dans l'immeuble. Exact. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ben, on s'est jasé pendant à peu près 5-6 minutes avant son entrevue de radio. Puis, il était au courant que j'étais dans un groupe hommage à Genesis à l'époque.
Donc, il savait que je le personnifiais déjà, que je jouais son rôle à lui. Oui. Lorsque lui était jeune, dans le temps de Genesis, que Peter Gabriel était chanteur, puis moi, lui était le batteur. À la batterie, exactement, oui. À la batterie et à la voix aussi. Oui. Donc, il me posait des questions. Dans le fond, c'est qu'il a su me mettre à l'aise. Donc, j'ai pas rencontré finalement un homme qui se croit grand comme ça, non. Et que moi, je voyais grand comme ça quand j'étais plus jeune, parce que c'était mon idole. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui s'est mis immédiatement à hauteur humaine avec moi. Est-ce qu'il m'a considéré, il a considéré le travail oui, que qu'on ça prend. Faisait, le travail de musicien, le travail de reconstituer des vieux spectacles, oui. D'interpréter les chansons. Mais est-ce qu'il t'a dit également qu'il ne voulait pas être le chanteur? Que quand Peter Gabriel est parti, on a dit, ben Phil, il paraît que t'es pas pire, toi, viens-t'en en avant. Il voulait pas vraiment faire ça. C'était comme. C'est encore là un concours de hasard, un heureux concours de hasard, dans le fond, qui a fait que, bon, ben, ils n'ont pas trouvé le chanteur qu'ils voulaient, donc ils ont enregistré l'album en 76, l'album Trick of a Tail, puis c'est devenu, évidemment, l'histoire fait le reste. Et là, à Genève, tu le revois encore. Il passe la journée avec toi et ton groupe, The Musical Box. Oui, à l'époque, Et il monte sur scène avec un T-shirt de ton groupe. Exact. Hello! Hello! Ça, c'est quand même très impressionnant. C'est vraiment quelque chose, des petits cadeaux que la vie nous fait. Hein? C'est des grands cadeaux que la vie nous fait. Je me souviens que je me pinçais. Là. Je veux dire, quand moi, je suis sorti de scène, lui est venu jouer le rappel du spectacle sur ma batterie. Puis je l'ai regardé jouer le rappel avec mon band. Et là, je me pinçais, je me disais, ben là, OK, je prends l'avion, je m'en retourne chez nous, c'est fini. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est là, ça. C'était formidable. Mais c'est pas du tout ça, parce qu'il y a une tournée de spectacle qui s'en vient. J'aimerais vous dire que c'est sold out, à part Brossard, si je ne m'abuse. Ben, en fait, là, évidemment, on est dans la même situation que tout le monde avec la COVID. Oui. Donc, les spectacles sont arrêtés pour le moment. Ah, ils sont complètement arrêtés. On a fini une tournée qui a duré 10 ans. On l'a fini en novembre 2019. Ça s'appelait Dance Into the Light. Oui. C'était les meilleurs succès de Phil Collins. Un gros band, 8 musiciens. Donc, on a fini cette tournée-là en novembre. On a fait une pré-prod, comme on dit dans le jargon. Oui. Une pré-production pour le prochain spectacle en février et est arrivée la COVID. Tout le booking, les salles de spectacle, on avait deux soirs au Capitole de Québec cet automne. On avait un paquet de villes au Québec. Pas facile. C'est des grandes salles parce que c'est un gros show. C'est beaucoup de musiciens sur scène. Deux gros drums. Moi, je suis drummer à la base, donc voilà. Mais ça te tente-tu un spectacle? Ça te tente-tu un spectacle à Macrea TV? Ils font un spectacle, ils font de la musique, hein? Ben, pourquoi pas? Spectacle acoustique comme ça. Je le demande en ondes comme ça. Ça serait une bonne idée. Mais regarde, on ne peut pas te laisser partir sans nous offrir une autre chanson, pas uniquement pour moi et pour tout le public ici et les gens qui nous écoutent à la maison, mais Francis et Nancy, on aimerait te dédier cette chanson. Si vous la chantez avec moi. Avec plaisir. Merci. Merci, Martin. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Oh, yeah. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. It's another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just
just another day for you, you and me in paradise. She didn't fit in there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Whoa, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. In paradise, oh, oh, oh.